Aujourd'hui, je te partage une recette d'œufs cocottes cuites dans des courgettes rondes. C'est vraiment super bon. Alors, je vais commencer par couper le chapeau des courgettes. Je vais bien les creuser avec une cuillère. Donc ici, c'est super important de bien les saler à l'intérieur et d'ajouter de l'huile d'olive. Ensuite, il n'y a plus qu'à les mettre à gratiner pendant 25 minutes à 210 degrés. Pendant que ça cuit, je vais couper les courgettes grossièrement et je vais les faire revenir dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive. Quand ça commence à accrocher au fond de la poêle, j'ajoute l'ail que je fais revenir 30 secondes. Je coupe le feu et je vais ajouter la tomate. Ça va vraiment apporter de la légèreté à la recette. J'ajoute aussi des dés de jambon, tu peux mettre du chorizo et je finis en mettant de la ciboulette. J'assaisonne juste avec un peu de sel et du poivre et je mets ça de côté. Ensuite, je reviens à mes courgettes. Donc là, elles ont un petit peu gratiné et elles sont cuites et il n'y a plus qu'à les garnir avec la farce. Donc moi, je te conseille de pas trop garnir les courgettes, comme ça, ce sera plus facile pour mettre les œufs. Ça évitera que le blanc déborde. Pour la cuisson, moi, je les cuis environ 12 minutes jusqu'à ce que le blanc soit légèrement coagulé. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster.